Naples. Yo les gars, c'est Azure pour un tout nouveau tuto sur Assetto Corsa. Donc c'est le tuto pour bien évidemment la Derby, hein, comme vous avez pu le voir dans la présentation de cette vidéo. Donc j'ai décidé de faire quelques petits tutos sur Assetto, ça peut aider, hein, ça fait extrêmement plaisir. Je joue beaucoup Assetto, on m'a souvent demandé des petits tutos par-ci par-là. Et là c'est vrai que la Derby c'est un modèle, j'ai fait un TikTok récemment où j'ai parlé de ce modèle là. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissaient. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un tuto et une présentation du modèle. Et en même temps, voilà, donc je vais vous montrer deux techniques pour installer en fait tout simplement un mode sur Assetto Corsa. Donc ça fonctionne aussi pour les voitures, hein, c'est tout le temps, c'est le même principe pour chaque mode, pour tout type de mode. Il n'y a pas vraiment enfin il y a pas d'autres différences à part pour ce qui est des maps et tout ça, mais je veux dire pour les motos, enfin les motos, les voitures, tous les modes sur Assetto Corsa fonctionneront de cette façon là donc soit vous avez à lancer en fait tout simplement votre Content Manager. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est une sorte d'application, c'est une sorte de launcher qu'on installe à part, qui permet de jouer à Assetto Corsa d'une façon différente avec le menu que vous voyez juste ici. Et donc en fait tout simplement pour installer un mode, donc pour le faire le plus facilement possible en tout cas, on va aller juste au dessus dans la petite je sais pas comment expliquer là, dans les trois carrés, en fait trois traits pardon, juste au dessus et en fait vous avez la possibilité d'installer depuis un fichier. Et là tout simplement en fait, donc bien évidemment je mettrai le lien dans la description du mode, donc faudra l'installer au préalable, et puis voilà, n'hésitez pas à checker. Si pareil, je vais aussi proposer dans la description le lien de Instant Gaming, donc pour avoir Assetto Corsa moins cher que le prix de base. Donc on est sur je crois 7 ou 6 euros le jeu, donc je vous mettrai le lien Instant Gaming dans la description directement aussi. Et puis voilà, donc on ira, bon vous irez en fait là où vous avez vos modèles, hein. Donc là moi chez moi c'est dans je l'avais mis dans cette catégorie là et le dossier il s'appelle sm-derby-senda tout simplement. Et on va sélectionner ce dossier, on va faire ouvrir et normalement il devrait directement le mettre ici. Ensuite il y a juste à l'installer et il va l'installer directement. Donc c'est vraiment la facilité, c'est vraiment hyper simple. Vous faites ça pour tous les, vous pouvez faire ça pour tous les modes. Certains modes ne fonctionnent pas de cette façon là et dans ce cas là je vous montrerai une autre façon en fait de l'installer, c'est manuellement en fait tout simplement. Donc on va fermer justement le, enfin je vais juste le réduire. Donc j'ai mon dossier qui est juste ici, donc SM Derby Senda, hein, SM-Derby Senda. Donc pour ceux qui l'installent et que vous n'avez pas changé le dossier d'installation, en fait de là où quand vous installez sur internet que vous installez n'importe quoi, normalement c'est souvent dans le dossier de téléchargement, juste ici. Voilà, c'est juste une petite info. Donc là je vais vous montrer comment en fait installer manuellement un mode sur Assetto Corsa. Ça va être très simple, hein. On va aller dans la catégorie où vous avez votre Steam en fait. Donc chez vous, généralement, ça sera dans Windows, il me semble, dans programme x86, il me semble. Moi, chez moi, c'est en tout cas, c'est dans jeu. Donc, on a Steam Library, ensuite Steam App Common, ensuite Assetto Corsa. Donc là, c'est tous les jeux Steam en fait, hein, c'est tous les jeux que vous avez sur Steam. Vous allez dans Assetto Corsa, ensuite vous allez dans Content, juste ici. Ensuite, vous aurez Cars. Tout simplement, et dans ce dossier là vous aurez en fait toutes les voitures du jeu. Et là en fait tout simplement on va aller ouvrir en fait le fichier WinRAR, donc sm-derby-senda tout simplement. On va aller l'ouvrir et on va aller en fait sélectionner ce dossier, donc vérifier toujours à l'intérieur ce qu'il y a comme composants. Et donc là on a vraiment tous les composants du modèle, donc il y aura tout simplement à glisser ce dossier dans le dossier Cars en fait tout simplement, du dossier enfin de Steam Apps Common Assetto Corsa Contained Cars, et on glisse en fait tout simplement ici. Donc pensez à bien le glisser sur une partie où il n'y a pas de dossier sélectionné, donc pas ici par exemple, hein, parce que si là je lâche il va se mettre dans le dossier en question. C'est bien le mettre sur le côté en fait, hein, soit sur le côté là, soit sur le côté là, et puis vous avez simplement à lâcher. Donc vous
cliquez clic gauche, enfoncez, et vous glissez. Quand vous avez genre le petit carré avec le plus en dessous qui apparaît, vous lâchez tout simplement le clic gauche et ça va se mettre directement en fait dans le dossier. Donc ça c'est pour l'installation manuelle en fait des mods. Hein. Donc si vous n'avez pas Content Manager, vous pouvez fonctionner de cette façon là, mais Content Manager c'est quand même plus intéressant en termes d'installation de mods, c'est beaucoup plus pratique. Et puis voilà, on a fait les deux étapes en fait, enfin les deux techniques pour installer le mod. Une fois ça fait, bah, le mod est forcément installé sur notre jeu. Donc je vais vous montrer rapidement dans quelle catégorie aller pour choisir le modèle, parce que c'est vrai que sur Assetto Corsa, quand t'as beaucoup de mods, bah ça se voilà, ça devient, il y a vachement de mods, et pour retrouver, enfin vous voyez, il y a quand même pas mal de catégories et de ça quand on installe pas mal de mods, donc c'est un peu galère. Moi je vais vous montrer la catégorie à choisir pour avoir ce modèle. Donc c'est la catégorie en fait SM Lab qui est juste ici. Donc un genre de logo comme ça, et dans cette catégorie là vous avez forcément la Derby Sanda. Donc elle existe en deux coloris, moi je vous ai présenté que le coloris bleu, mais elle existe aussi en rouge, voilà tout simplement. Et c'est à peu près tout, j'espère que ce petit tuto vous plaira la famille, n'hésitez pas à liker, commenter et à me dire si vous avez des tutos en particulier que sur Assetto par exemple, ou même d'autres tutos encore en particulier hein, que je peux éventuellement faire, j'essaierai de voir. Donc là il y aura d'autres tutos hein, qui vont arriver sur Assetto pour le Quad SX par exemple, et la Yamaha DT 50, donc c'est une ancienne Yamaha DT 50, donc voilà. Ça, c'est des tutos qui vont encore arriver, je pense, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être des tutos pour tout ce qui est paramètres graphiques, éventuellement pour installer Content Manager, pour installer des petits trucs. Je peux essayer éventuellement de faire quelques tutos par-ci par-là sur d'autres points par rapport à Assetto Corsa. En tout cas, c'est un jeu que j'apprécie énormément. La famille, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, la famille. Prenez soin de vous, c'est important. Ciao les gars.